Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va dire un tuto, mais on va essayer nouvel article, voilà, que j'ai trouvé chez Action. Alors je sais pas depuis quand il y est, mais je crois que ça fait pas longtemps. Donc je vais voir si c'est un flop ou un top. Voilà, Fifi, me fais pas tomber mon téléphone parce qu'il tient pas là. Merci. J'attends qu'elle s'installe. Hein. Voilà, bon, elle lave ses pattes. Alors, c'est. Alors, désolé, vous allez voir à l'envers. C'est la boîte, la nouvelle boîte d'aquarelle. Une grande boîte. Alors, je vais la tenir pour pas que ça tombe, tout tenir, voilà. Donc, ici au milieu, vous avez un crayon gris pour faire du dessin. Là, vous avez un pinceau et là, vous avez un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc, voilà toutes les couleurs que l'on a. Hop. Donc, on a du blanc, du gris, plusieurs marrons, plusieurs verts, plusieurs bleus, plusieurs violets, plusieurs orangés, jaunes aussi, rose. Rose, il y en a un. Un ou deux, oui. Et un blanc, voilà. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, s'ils sont pigmentés ou pas. Et ça va me permettre d'essayer également en même temps la boîte que je vous ai déjà montrée, mais que je n'ai pas encore essayée. Alors attendez que je vous la remonte. Donc ça, c'était la petite boîte, on va dire la petite boîte de voyage. Voilà, donc c'était celle-ci. Donc, il y a bien sûr beaucoup moins de couleurs, hein, puisque celle-là, elle en a 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12, 6, 18. Elle a 18 couleurs. Voilà. Et avec un pinceau comme ceci. Bon, le pinceau, je ne sais pas ce qu'il donne, hein, mais bon. Donc, on va essayer ces deux boîtes. Je vais essayer sur du papier aquarelle. J'ai une mouche depuis tout à l'heure dans la maison qui m'embête. Ça m'énerve. J'ai même été acheter des pots de menthe, des plantes, hein, bien sûr, de menthe pour mettre à l'entrée de ma cour, là, qui donne à ma cuisine. Parce que ça fait. Les mouches n'aiment pas. J'ai changé mes poubelles de place dans la cour également parce que bah, ça attire les mouches. Et puis moi, je suis à la campagne. Donc voilà. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Si c'est un top ou un flop. Allez. Moi, je vais essayer avec le mien de pinceau à réservoir d'eau. Voilà, c'est le même, hein, je ne vais pas remplir deux pinceaux. Ouais. Et je vais essayer donc avec mon papier aquarelle comme ceci. Voilà, que moi j'ai acheté. Celui-là, je l'avais acheté chez Cultura. Voilà. Oh, j'ai encore des dessins moi dedans. Tiens. Je vous les avais peut-être déjà montré. Les petits dessins que je faisais. Les petits mangas. Bon, celui-là, il n'est pas. Allez. Je me prépare et je vous montre ça. À tout de suite. Voilà. J'aime bien. Hop. Oui, c'est bien. Donc, j'ai dit, je vais essayer avec. Alors, je vais prendre une feuille pour voir. Pour nettoyer mon pinceau s'il a besoin. Non, ça va.
Allez, on va essayer une couleur. On va essayer le rose. Ça va déjà. Oui. Je vais peut-être vous grossir un peu pour que vous voyez mieux. Ça va, c'est assez pigmenté. Hop. J'essaye une autre couleur. On va essayer le bleu. Oh ben oui. Oui, ça donne bien. Je regarde si j'arrive à bien tirer la couleur jusqu'à. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal du tout. Bon, bien sûr, c'est pas une aquarelle de marque, hein, mais elle donne vraiment pas mal. Allez, on va essayer laquelle. Main jaune. Je vais peut-être pas assez mouiller mon pinceau. Voilà. Pas mal aussi, hein. Vous voyez, ils sont bien pigmentés, je trouve, quand même. Bon, après, il faudra que je vois ce que ça donne sur du papier normal. Bon, par exemple, celui-ci, on va refaire avec le jaune. Ça va. Et c'est sur le papier que j'imprime ça. Donc c'est pas mal. Donc la grande tablette. Donc celle-ci. Je vais vous rebaisser. Celle-ci, je la trouve bien. Oh. Allez, on se fait une dernière couleur pour voir ce que. Je rince mon pinceau. Qu'est-ce qu'on va se faire? Un vert. Là, par contre, j'ai mis un peu trop d'eau, mais bon, c'est rien. Voilà. Mais bon, le résultat ne fait pas tout à fait aquarelle quand même quand c'est sec. Je trouve. On va voir avec une vraie aquarelle, enfin une aquarelle de marque. Donc voilà, bon, pour celle-là, ça fait le job, on va dire. Donc là, oh pardon, je vous fais bouger.
On va essayer la petite boîte. Alors, on va essayer le rose. Ça va, il y a du pigment dedans. Alors, on va essayer notre couleur. On avait fait le bleu, ben on va refaire un bleu ici. Oh, pas mis assez d'eau. Bon, il faut bien les mouiller, hein, par contre. Le bleu clair, il n'est pas très... Ça va. On va essayer un jaune. Ah, le jaune est un peu plus vif ici, vous voyez. Et donc, on va essayer un vert. Je fais les mêmes couleurs, hein. Donc, on avait pris un vert clair. Oula, mon vert clair est plutôt jaune. Ah oui, c'est un vert jaune, ça. Vous voyez, alors je vous montre. Il est là. C'est plutôt un vert jaune. Bon. Voilà. Bon, ils sont bien pigmentés. Ça fait un peu le... Ça fait le job. Voilà. Et on va essayer maintenant, donc, avec une aquarelle de marque. Pour voir un peu la différence. Donc, moi, j'ai celle-là. Donc là, elles sont déjà un peu un peu usées. Alors, allez, je commence par le jaune. Et la pigmentation n'est pas du tout pareille, hein, déjà, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. J'essaie d'éclairer au maximum. Voilà.
Donc ça, c'est la grande palette, la petite, la grande d'action, la petite d'action. Et là, c'est celle de la marque ici, Daler Rowney. Alors, moi, là, je n'ai pas de rose. Je n'ai pas de rose, j'ai pas de blanc, donc je ne peux pas faire. Mais bon, je vais vous faire montrer le rouge, c'est pareil. Voilà, par exemple, un rouge. Et la pigmentation est quand même pas pareille, hein. Je rince mon pinceau. Alors, je vais vous faire un bleu. Tant pis, hein, je vous le mets là. Et je peux le travailler un peu plus longtemps. Et lequel qu'on n'avait pas fait? Alors, un vert clair. Alors, moi, mon vert clair, ça va être celui-là. Enfin, le plus clair que j'ai. C'est pas les mêmes couleurs, bien sûr. Mais vous voyez, ça sèche moins. Vous voyez, je peux le travailler plus longtemps. Je peux travailler mon aquarelle quand même plus longtemps avec cela. Vous voyez. De ceux d'action, ben, ça sèche très très vite. Là, j'exagère, enfin j'exagère. Je continue pour vous montrer jusqu'à quand je peux vraiment le travailler. Vous voyez? Et là, ils ne sont toujours pas secs, hein. Voilà. Donc là, je vous rappelle, c'est la grande palette, la petite, là, c'est celle de marque. Là aussi, c'est la marque, toujours la marque. La petite palette, la grande palette. Va-t'en la mouche, elle vient me siffler dans les oreilles. La grande palette, là, la grande palette, le bleu ressemble à la marque un peu. La petite, là, le bleu est pas terrible. Et les roses, donc la grande, la petite. Bon, je n'ai pas de rose dans ma palette. Il faudrait que je fasse mes mélanges là. Donc, je vous ai juste montré un rouge. Mais c'est surtout pour vous montrer la pigmentation. Donc, voilà. Bon, ceux d'action, je ne vais pas dire que c'est un flop, hein, loin de là. Parce qu'ils font un peu ils font le job.
Mais on voit que, je dirais plus que ça ressemble plus à de l'acrylique que de l'aquarelle, j'ai l'impression. Voilà. Voyez. Là, ils sont vraiment tout secs, comme vraiment comme de l'acrylique. Et là, ceux de la marque que j'ai, ceux-là, ben, ils sont toujours pas secs. Ils sont plus longs à sécher, ce qui est normal. Mais bon, on va pas dire que c'est un flop. Elles sont bien quand même pour faire des petites choses tranquillou. Bon, moi je m'en servirai peut-être de temps en temps. Hein, je verrai bien ce que je vais en faire. Donc je vous remontre celle d'action. Alors il y avait l'aquarelle box, donc c'est la petite. Voilà, donc celle-là je vous l'avais déjà présentée avant, mais sans vous montrer les peintures. Hein. Ça c'est la dernière que j'ai trouvée. Alors, attendez, je vais relever un peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc là il y a 36 couleurs. Plus un crayon HB, un pinceau comme ça à réservoir d'eau, là on le voit là, et un pinceau normal. Voilà. Alors les prix, est-ce que j'ai encore les prix? Celle-là, je crois qu'elle est dans les 3,90 €. Si je ne me trompe pas, et celle-ci dans les 1,90 €. Voilà. Par contre, celle-ci, je ne saurais plus vous dire le prix. Il faut que je regarde parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais bien sûr, c'est pas le même prix. Donc, je vais regarder. Je vous mettrai le lien en sachant qu'ils n'ont plus exactement la même boîte. Ils ont changé le packaging. Donc, je vous remettrai la correspondance. Qui correspond à la boîte que moi j'ai. Voilà. Donc voilà, bah c'était une petite vidéo pour vous montrer, vous faire un petit. Comment? Voir la différence, voilà, entre la grande boîte, la petite boîte d'action contre la boîte d'Allaire René. Voilà. Voyez, c'est toujours pas sec les autres. Et là, c'est complètement sec en action. Mais je pense que ça ressemble plus à de l'acrylique. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.